Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui du coup avec cette vidéo pour un nouveau partenariat dans le domaine du loisir créatif. J'ai la société VIP Cross Stitch qui m'a contactée dans les environs du 9 août pour me proposer une collaboration avec eux. Donc c'est une société, enfin une boutique en fait, qui fait des... du loisir créatif, mais disons que eux c'est du point de croix, de la broderie de perles, et puis je pense que c'est un peu tout. Ils vendent aussi des choses qui concernent un petit peu la mercerie, tout ce qui est couture, broderie, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'ai accepté la collaboration parce que à mes heures perdues en hiver, je fais aussi du canevas. J'en fais très peu, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas le loisir que je fais le plus. Mais c'est quelque chose que j'aime bien et j'ai fait déjà pas des petits projets comme ça. J'ai fait des petits projets, je vous montrerai dans une autre vidéo parce que là c'est vraiment la vidéo unboxing pour cette boutique-là. Je montrerai mes projets à moi. Dans une autre vidéo. Donc on va ouvrir ensemble le colis. Ils m'ont proposé de choisir des articles pour une hauteur de 20$. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je pense que l'image ne va pas vous surprendre encore une fois. Du coup, on va commencer avec celle-ci, vu que vous l'avez vue. Alors, la boutique, je ne la connaissais pas du tout. Donc, c'est vraiment une découverte. Je connais pas du tout leur qualité. Alors, attendez. Donc cette toile-ci, du coup, je vais vous dire le prix tout de suite. Celle-ci, je l'ai payée. Enfin non, je ne l'ai pas payée. Elle coûte du coup 8$. Enfin, environ 8$. Il y a des centimes, mais bon. Alors du coup, on va découvrir tout ça. Il y a une feuille de route. Donc là, ça paraît un petit peu brouillon, mais du coup, vous voyez, tous les symboles correspondent. C'est un peu comme le diamond painting. Je vais peut-être tourner un petit peu la lumière, comme ça vous verrez plus. Je vous montre de plus près. C'est un peu comme le diamond painting. Hein. C'est de toute façon, c'est... Le diamond painting est tiré de ces choses-là. Ouh! Que des couleurs que j'adore, du rose, du violet. Alors, attendez, parce que là, du coup, donc on a la feuille de route. Donc c'est un 40 par 50. Voilà pour ça. Ça, alors c'était l'image. On a les fils. C'est très bien présenté en tout cas. Moi j'aime beaucoup quand c'est bien, bien rangé comme ça. Alors du coup il y a combien de couleurs? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Alors apparemment il y a 17 couleurs, donc je vais vérifier. Non, il y a plus que ça du coup. Ah oui, non, il y en a en dessous. J'avais pas vu. Ils étaient cachés. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, d'accord. Celui-ci, ça compte. Il doit y avoir un tout petit. Oula, je vous montre même pas ce que je suis en train de faire. Donc il y a 25 couleurs, donc ça correspond bien à la feuille de route. 24 couleurs. Hop, et la toile. Ah d'accord, je vois qu'il y a deux...
Il y a deux petites aiguilles. Alors attendez, comment je vais vous mettre ça? Voilà. Il y a deux petites aiguilles. Ça, c'est super parce que j'avais même pas pensé. Moi, j'en ai une. J'en ai une, mais bah, c'est très bien d'en avoir une exprès. Et deux, c'est encore mieux. Voilà. Et du coup, la toile, bah oui, du coup, ça fait pas. Ça montre pas l'image. Bah, moi, je préfère justement que ça montre pas l'image telle quelle, comme ça, au moins, au fur et à mesure qu'on fait la toile, du coup, on découvre les couleurs et bah, je préfère justement. Après, c'est une question de goût, mais moi, je préfère comme ça. Comme ça, j'aurai la surprise une fois fini. Donc voilà, la toile, elle est épaisse. Bah, c'est comme des toiles de canevas en fait. Hein. C'est pareil. Moi, quand je fais du canevas, je suis plus habituée au canevas de couleurs. Vous savez, c'est des couleurs un petit peu comme ça en fait. Un petit peu marron. Donc voilà pour celle-ci. Je vais peut-être ranger tout de suite par contre parce que les fils, ça s'abîme. Enfin, faut pas les laisser traîner, quoi. Je rangerai ça après. Alors, le deuxième. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Je sais pas. Alors, ça doit s'ouvrir par là. Celui-ci, il est encore mieux emballé, c'est vraiment bien protégé. Alors, bon, bah, sans surprise, hein, de toute façon, elle est partout. Donc, voilà, c'est une petite Marie. Trop, trop mignonne, c'est tout petit, j'aime bien. Du coup, les petites couleurs. Donc là, on a pas de feuille de route, mais de toute façon, on a le tableau en dessous ici. Il n'y a pas de feuille de route pour celui-ci. C'est pas grave. En plus, c'est une petite, donc vous voyez les couleurs. Que du rose quasiment. Et là, vous voyez, il y a encore deux petites aiguilles. Donc là, c'est une. Quelle taille? C'est une 25 par 21. 25 par 21. Par contre, je crois que c'est la. Je sais pas si j'ai ma règle. Non, j'ai pas ma règle, mais je pense que. Je pense que c'est. Oh, je sais pas. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vous le montre de plus près. Donc voilà pour celle-ci. Ah si, une feuille de route. Elle était cachée. Impeccable. Avec le petit tableau. Donc là, il y a 27 couleurs. 27 couleurs, mais bon, il n'y a pas. Vous voyez, hein, pour toutes les couleurs, c'est vraiment. Il n'y a vraiment pas grand-chose à chaque fois. Donc, c'est un petit projet, celui-là. Donc, voilà pour celui-ci. Celui-ci, il était au prix de. Alors, ça, c'est Marie qui dort. Oui. 4,43 $. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Ensuite. Si je fais tout tomber. Donc là, ça va être une 22 par 22. Donc c'est un petit peu plus petit. C'est encore Marie.
Donc voilà les couleurs. Voilà. Je vous montre d'un petit peu plus près. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est pas grand, du coup, quand on a envie de faire un petit projet, parce que ça prend du temps, hein. Ça prend du temps ces projets-là. Le point de croix, c'est long. Mais pour quelqu'un qui s'y tient, ça va vite. Voilà la feuille de route. C'est vraiment super, quoi. C'est complet. C'est vraiment complet. Donc là, c'est Marie avec son bol de lait. Et celle-ci, elle était au prix de 4,25 $. Voilà, voilà. Et du coup, en dernier, j'ai pris quelque chose de totalement différent. Et là, par contre, que j'ai jamais fait. C'est un petit porte-clés à faire avec des perles. C'est de la broderie de perles, parce que ça s'appelle comme ça. Et ça par contre je connais pas du tout. J'ai déjà fait des choses avec des perles, mais quand j'étais plus jeune et quand. Enfin c'était des bracelets quoi, donc pas du tout pareil. Alors on va ouvrir. Ça c'était au prix de 3,41 $. Alors je sais pas du tout. À quoi m'attendre? Je vois qu'il y a de la mousse devant. Je crois que c'est quelque chose de. Vous voyez? Il y a une espèce de. De mousse. Enfin, c'est pas. Ouais, si, c'est un peu de la mousse, c'est tout doux. Alors là, vous avez une feuille de route. Bon, par contre, c'est écrit. C'est écrit en chinois, je suppose. Après, il y a un petit code là à scanner. Alors, on va ouvrir. D'accord. On a les perles. Et donc, c'est vraiment petit. C'est tout petit, regardez. Des toutes petites perles. Et quand je vous dis que c'est petit, c'est vraiment petit. Hein. Je crois que c'est encore plus petit que les perles que moi j'avais quand j'étais. Quand je faisais des bracelets. Donc là, il y a des fils. Avec un fil en nylon. Je suppose que c'est du nylon. Du coup, il y a le petit anneau pour le porte-clés avec les aiguilles. Et puis du coup, on a la fameuse broderie à perler. Je ne sais pas si je vais y arriver. J'espère que je vais réussir. Je connais tellement pas que. De toute façon, c'est comme de la broderie, sauf qu'à chaque fois, il faut mettre une perle, en fait. Donc ça doit pas être si compliqué que ça. Après, c'est au niveau de l'assemblage. Il va falloir coudre tout autour et après mettre la mousse dedans pour que ça fasse un effet un petit peu bombé. Donc, bah écoutez, on verra ça. Hein. On verra ça. En tout cas, ça a l'air mignon, quand même. Une fois terminé. Donc, on verra bien. En tout cas, bah, oui, j'ai choisi un petit chat. En fait, j'ai pris que des félins, quoi, sur les 4 articles. Je vais vous saouler avec mes félins, je le sens. Hop, je vais essayer de tout bien ranger comme c'était. Je crois que ça, c'était comme ça. Et puis je crois que la mousse, elle était directement dans le.
comme ça. Voilà. En tout cas, ça doit être assez sympa à réaliser quand même, à voir. De toute façon, je reviendrai vers vous pour avec ce petit porte-clés et puis certainement une des broderies. Enfin, broderie, point de croix, c'est du point de croix. C'est pas de la broderie, c'est du point de croix. Donc je reviendrai vers vous pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je prendrai la broderie la plus... Je pense que je prendrai une petite Marie. Je sais pas du tout. Je verrai bien suivant ce que j'ai envie de faire. Et puis, bah écoutez, je suis ravie d'avoir un nouveau partenariat hein, avec cette société-là. Donc je le répète, c'est la société VIP Cross Stitch. Je vous mettrai tout en barre d'infos, comme d'habitude. Je vous mettrai le lien du site. Je vous mettrai les liens aussi de tous ces articles-là, si quelque chose vous intéresserait. On ne sait jamais. Et puis bah, moi, je reviendrai vers vous hein, pour vous montrer comment je m'en suis sortie pour ce genre de petites choses. Et puis, certainement peut-être pour vous montrer un des produits terminés. Je pense pas le faire en vidéo parce que c'est quand même du point de croix, c'est pas quelque chose qu'on filme non plus. Donc je pense que je ferai une revue d'un des produits terminés. Et puis voilà. Bah écoutez, sur ce, bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis si vous connaissez ce site, VIP Cross Stitch, n'hésitez pas à me dire en commentaire si... ce que vous pensez de cette boutique-là, si vous la connaissez, et puis ce que vous avez pensé des produits, si c'est des choses qui pourraient vous intéresser ou pas du tout. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.